Yo les potes, c'est Brother, je vous retrouve vite fait. Donc comme vous avez pu voir, on est sur un petit fond de gameplay de World at War 2. Alors à l'heure où je vous fais cette vidéo, il est 7h18. Alors on vient juste de finir la bêta privée, parce qu'il y aura bientôt une bêta publique. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques ressentiments. Au passage, je tiens juste à dire, il n'y aura pas du tout de montage sur cette vidéo, hein, je la fais juste avec le fond vert et avec le gameplay du jeu. Et puis voilà, c'est tout, je ne vais pas faire, de montage, etc. Parce que voilà, la vidéo, j'ai envie de vite la faire, quoi. Enfin bref. Faut savoir que la vidéo sortira du coup pas le 29 mais elle sortira le 30. Donc comme ça je vous dis juste, comme ça dans la vidéo je pourrais dire demain on retrouve la bêta publique. Donc la bêta publique, pour ceux-là qui me demandaient un peu sur live stream, je vous réponds en vidéo. Elle dure du 1er septembre 2017 à 19h, donc heure française, heure locale, jusqu'au 4 septembre 2017 à 17h, heure locale. Elle dure 4 jours, donc c'est une bêta publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde pourra la télécharger. Tout le monde aura juste à aller dans le Play Store, marquer bêta public Call of Duty World at War 2 et pourra la télécharger. C'est sympa, mais pour moi, c'est-à-dire qu'il y aura pas mal de joueurs, enfin bref, qui voudront tester, qui seront pas vraiment trop code. Enfin bref, on verra ce qu'on va faire avec Psyche. Je tiens juste vite fait à le remercier au passage aussi. Je ferai une vidéo spéciale où je le remercierai carrément pour ce PC. Mais il faut savoir que lui, maintenant, il va redéplacer son PC pour continuer à faire ses live streams de son côté. Et quand il y aura la bêta le 1er septembre, dans 2 jours, il remet son PC chez moi. Donc vraiment, je tiens vraiment énormément à te remercier, Auré, si tu regardes cette vidéo. Vraiment, merci à toi. Donc voilà, je vais vite fait vous donner un peu, dans cette vidéo, je vais un peu vite fait vous donner mon avis pour, enfin, ce qui s'est passé selon moi, ce que j'ai kiffé à la bêta, etc. Enfin, ce que j'ai kiffé jouer, etc. Comme vous pouvez voir, à l'heure actuellement au gameplay, avec l'arme que je joue, ça s'appelle la Cruise Gun. C'est mon arme préférée pour l'instant, je la kiffe énormément. Des fois je fais des trucs où je comprends pas ce que je fais au niveau que j'ai pas de shoot. Et voilà, mes deux armes préférées pendant la bêta privée, c'était la PPH. Hein, donc avec un petit grain de capacité et une poignée ergonomique, et la Cruise Gun, donc elle est grave cool. Et puis voilà, je l'aime beaucoup cette arme, je l'aime vraiment beaucoup. Pour ceux qui veulent savoir un peu la classe vite fait, bon, pour les gens qui regardent ma vidéo et qui n'ont pas encore la bêta, enfin qui attendent la bêta publique, donc demain, j'étais en viseur laser, grande capacité et poignée ergonomique, super important la poignée ergonomique dans ce jeu je trouve. Voilà, je vous donnais un peu mon avis, je vous ai fait une vidéo, la différence entre BO3 et World at War 2, j'ai dit que le jeu fatiguait énormément, mais voilà, c'était surtout moi qui était super fatigué, donc voilà, je retire un peu ce que j'ai dit. C'est vrai que quand par exemple on fait une vidéo d'un jeu où on le critique, par exemple, on le juge un peu tout de suite, et quand on le juge au bout de quelques jours, enfin quand on a vraiment bien saigné le jeu, c'est vraiment complètement différent. Ce jeu, c'est une grosse tuerie, c'est ce que les youtubeurs Call of Duty attendent. Alors il y a beaucoup de gens que je vois un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, les tweets, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est un jeu BF1, c'est comme BF1, etc. Pensez ce que vous voulez. Les joueurs code qui jouent à code depuis longtemps savent ce que c'est un jeu code, donc savent les déplacements de code, savent ce que c'est, et on le sent. On le sent tout de suite que c'est un Call of Duty qui a été très travaillé déjà, très travaillé au niveau des graphismes. Alors je fais vite fait une petite parenthèse parce qu'il y a des gens qui disent oui mais les graphismes n'ont pas été autant travaillés. Moi je trouve pas, honnêtement, on est quand même sur de la PlayStation 4. C'est quand même du très très lourd. Et pour moi, selon moi, je regarde le gameplay en même temps, c'est pour ça que je regarde là. Donc je regarde un peu le gameplay, comme ça je trouve un peu des arguments à vous dire. Et puis voilà, donc moi les graphismes là, c'est sûr, la qualité elle est pas ouf parce que je l'ai fait avec OBS directement, mais c'est pas grave, c'est quand même déjà de la bonne qualité. Mais voilà, quand on y joue comme ça à la Play, c'est du très très lourd. C'est du très lourd, moi j'aime beaucoup. Ce jeu, je vais pas le critiquer pour l'instant. Après, dans le titre, bien sûr, je vais mettre mon avis à la bêta. Hein, donc, c'est une bêta. Ils vont améliorer des choses, ils vont enlever des choses, etc. Ce que je trouve super sympa aussi, c'est que je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Il y a des gens, ils vont se dire, mais je l'ai trouvé au bout d'une semaine. Enfin, au bout de 2 heures de jeu. Il y a des spécialistes. Alors, des spécialistes, vous allez me dire, oh là là, des spécialistes. Bon, je pense que même ceux qui n'ont pas la bêta privée, ils ont quand même vu des gameplays de The Carry qui jouent en live, etc. Il y a des spécialistes. Qu'est-ce que c'est les spécialistes? Alors, je vais vous citer quelques-uns parce que là, j'ai même plus accès à la bêta. En fait, on a des joueurs, enfin des personnages qui nous permettent de recharger plus vite notre arme. Personnage où on a un silencieux gratuit. Le personnage que je joue, on peut mettre 3 accessoires au lieu de seulement 2. On peut courir plus vite. Il y a un personnage, c'est pour le pompe, où on a des balles qui sont en feu. Pour le joueur sniper, on a une combinaison de sniper. On a quelqu'un qui retient plus son souffle, etc. Chaque arme, chaque spécificité chez... Pardon.
chaque spécificité ont un truc. Donc par exemple pour la mitraillette, moi je vous conseille plutôt celui-là que j'utilise, je sais plus du tout comment il s'appelle. Pour le sniper, logiquement celui-là où vous avez le camouflage de sniper, si vous jouez pompe avec les balles en pompe, etc. C'est du très très lourd ce qu'ils ont fait. Et puis voilà, après niveau des armes, s'ils sont équilibrés ou pas, pour moi ils sont... Il y en a quelques-unes comme d'habitude qui sortent du lot. Donc comme je vous l'ai dit, la Grease Gun, l'arme que je joue, et la PPH qui a une très très bonne cadence et qui est très très lourd. Et après voilà, les fusils d'assaut, pour moi, ça, ils sont pas optimisés au max. Je pense que vous me comprenez, pardon. Ils sont pas super cool, je trouve. Il y a juste la WAF 18, 28 avec le gars qui vient de me tuer là, qui est pas mal. Mais autrement, les autres, ils sont pas ouf. Hein. Franchement, je vous le dis, les mitraillettes, ils sont beaucoup plus puissantes et vous faites beaucoup plus de kills avec une bonne mitraillette qu'avec un fusil d'assaut. Ils vont le modifier certainement, on verra ce que ça va donner au fil du temps, mais voilà, pour l'instant, les mitraillettes surpassent entre guillemets largement les fusils d'assaut. Ce qu'il faut savoir également aussi, c'est que c'était mon dernier gameplay, c'était mon dernier gameplay sur la bêta. Donc voilà, c'est cool et puis voilà, ça fait plaisir, c'est toujours un peu nostalgique. Je pense à un de mes abonnés, Zartox78, si tu regardes cette vidéo, et puis qui a dit, ouais, ce n'est qu'un au revoir pour le live stream et tout ça. T'inquiète pas, on revient demain, 1er septembre, 19h, sur la bêta. Et puis voilà, je vous remercie tous. Pourquoi je dis ça? Je vais encore dire quelques trucs dans la vidéo. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Niveau des killstreaks, on n'en a pas eu, on n'en a que eu 3. Non, on en a eu plus, mais moi j'ai que joué avec ceux de base, donc je savais pas trop ce que c'était. On a aussi eu quoi? Que 3 maps. Ça, c'est très dommage. J'espère que la bêta publique, pour les gens qui ont déjà joué à la bêta privée, est-ce qu'ils vont l'augmenter? J'espère vraiment sincèrement qu'ils vont mettre au moins une ou deux maps de plus. Ce sera vraiment cool. Pour les gens qui se posent la question et qui suivent ma chaîne YouTube, vous inquiétez pas avec Psych, on revient pour la bêta publique. Donc elle sera disponible en live stream, etc. Puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est un peu tout, je trouve. Donc voilà, moi j'en retiens du très positif. J'attends avec impatience, du coup, la bêta demain. Et j'attends avec impatience le jeu le 3 novembre. Je vous remercie tous. On se retrouve du coup, demain pour un nouveau live stream avec Psych58. Donc ça commencera à 7h du soir, hein, 19h. Et puis voilà, on va énormément stream de nouveau. J'ai vraiment très hâte, je vous dis. Et voilà, je vous remercie tous. On se retrouve du coup demain à 19h pour un nouveau petit live stream. Et puis voilà, merci les potos. Et on se retrouve. Du coup, hier, vous n'aurez pas eu de vidéo. Je vous mettrai un petit message sur Twitter. Et vous aurez eu du coup une vidéo avant. Avant la bêta, enfin la bêta publique. Merci les potos, je vous remercie tous. La vidéo dure à peu près 7 minutes. Je vais directement l'upload sur ma chaîne YouTube. Merci, merci. Et on se retrouve du coup demain le 1er septembre. Et merci les potos.